Ouais, bien sûr, on a l'impression que on revit des moments du passé, il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a beaucoup d'équipes qui sont touchées, beaucoup de joueurs. Ouais, c'est embêtant pour tous les championnats, pour toutes les équipes, parce que forcément, beaucoup d'équipes perdent des joueurs pendant 10-15 jours. Et forcément, ça fausse un peu tous les championnats. Mais voilà, j'espère que la situation, comme tout le monde, on espère que ça va s'améliorer. On espère que plus de gens vont se faire vacciner, parce que c'est quand même important. On voit qu'ici, dans notre club, tous les joueurs sont vaccinés. Donc voilà, j'espère que ça va. J'espère qu'on donne l'exemple et que ça va permettre à d'autres équipes aussi de vacciner tous leurs joueurs, parce que c'est important pour que la situation se rétablisse au plus vite. Bah, nous pas forcément. On fait nos bonhommes de chemin. Voilà, après c'est une situation où on est obligé de vivre avec. On n'a pas le choix. On peut rien faire d'autre. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. On peut pas empêcher à chacun de pas se faire vacciner. Voilà, c'est pas obligatoire non plus. Donc voilà, c'est propre à chacun. Donc il faut aussi respecter ça. Mais non, nous ça nous bouleverse pas. Après voilà, nous comme je vous l'ai dit, on est l'ensemble de l'équipe à être vacciné. Donc c'est bien pour nous. Et puis on garde notre effectif intouché dans l'ensemble. Donc voilà, c'est bien pour nous et pour la fin de saison. C'est toujours important de gagner ce genre de match. Ça permet voilà, d'entretenir notre dynamique. C'est hyper important, il n'y a pas de petits matchs. Même quand on est parti jouer à Andrézieux, il n'y a pas de petits matchs. La victoire nous a fait du bien parce que ça nous a permis aussi d'enchaîner le week-end d'après. Donc non, il n'y a pas de petits matchs, il faut savoir gagner tous les matchs. Et voilà, ça permet aussi à tout le collectif d'engranger de la confiance. Et voilà, comme vous l'avez dit, on reste sur 5 victoires. Donc on espère continuer cette dynamique et en faire encore d'autres. Je pense que toutes les équipes de Ligue 1 ont des solutions dans leur équipe, ont des bons joueurs dans leur équipe. Il y a toujours du danger dans n'importe quelle équipe adverse. Voilà, on sait que ça soit chez eux, Diallo, Gamero, Ayork, c'est des buteurs, c'est des joueurs qui mettent des buts, qui sont adroits devant le but. Donc il faudra faire attention. On l'a vu aussi contre eux à la Mosson où on leur a laissé une petite faille et ils ont su l'exploiter. Donc il faudra faire attention à ce genre d'équipe. C'est toujours difficile de jouer contre eux et on espère en tout cas remporter la victoire et puis passer au prochain tour. C'est même pas à titre personnel, je pense que c'est voilà, collectivement on fait des bonnes choses. On a beaucoup progressé par rapport au début de saison, par rapport quand on avait mis des choses en place au stage, etc. On voit vraiment une évolution, une grande évolution par rapport à ça. Le coach a su influer sa patte sur le groupe et sur les matchs. Et après, derrière, voilà, c'est nous les joueurs qui avons contribué à ça. Mais voilà, c'est collectivement, défensivement et offensivement, c'est top parce qu'on marque beaucoup de buts. On n'en encaisse pas énormément depuis un certain temps. Donc voilà, il y a vraiment une grosse dynamique et il faut rester là-dessus et il ne faut pas se relâcher parce que on sait que les 6 derniers mois sont les plus importants si on veut espérer quelque chose de beau à la fin de l'année, de la fin de saison. Donc voilà, il y a surtout le mois de janvier qui va être très important pour pouvoir après être plus relâché. Effacer ce souvenir, je pense qu'il sera ancré en nous dans nos têtes pour pas mal de temps, même si voilà, on n'a pas été au bout, mais ça restera une belle épopée avec l'équipe. Maintenant, c'est toujours la Coupe de France, mais c'est une autre année. Il y aura des matchs peut-être encore plus durs avant ça. Donc non, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Ça sera quelque chose de différent. Avec un nouveau staff et d'autres joueurs, mais le principal c'est d'aller le plus loin possible et de faire rêver nos supporters comme on a pu le faire l'année dernière et si on peut avoir la bonne idée d'aller jusqu'au bout, on le fera avec plaisir. Bien sûr, je pense que c'est quelque chose de magique pour les petites équipes, les petits clubs, les clubs amateurs, mais c'est aussi quelque chose de magique pour nous professionnels. On sait d'où on vient. On sait qu'on est passé aussi par ce genre de club pour beaucoup de joueurs. Donc voilà, on respecte nos adversaires. On est de l'autre côté maintenant, mais on respecte nos adversaires. Et c'est aussi
Bah, c'est aussi un beau challenge pour nous parce que ça permet aussi de remplir pourquoi pas un palmarès. Et voilà, il faut pas le prendre à la légère, il faut jouer les matchs à fond et comme si c'était le dernier. Ouais, moi, ce que je souhaiterais, je pense que ce que tout l'effectif souhaite, c'est qu'on prenne le même nombre de points jusqu'à la fin de saison, voire plus si on peut le faire. Je pense qu'on serait vraiment dans les clous et on serait pas mal. Et après qu'on fasse un beau parcours en Coupe de France. Et voilà, après, le principal, c'est que tout le monde soit en bonne santé. C'est que voilà, tout le monde, vous y compris, le staff, le club, tous les gens qui font partie de ce club, nous les joueurs, qu'on soit en bonne santé et qu'on vit une belle année 2022.